Je travaille d'une façon comme j'ai toujours dit que c'est comme entrer en religion. Un artiste, c'est comme dans une vocation. Tu es voué à faire quelque chose. Mais faire quelque chose au niveau de qu'est-ce que c'est qui est extérieur à nous, mais en même temps qui est très profond à l'intérieur de soi. C'est de rejoindre ces deux parties-là. Et avec la chimie de qui on est, à ce moment-là, oui, on peut exprimer quelque chose de très différent et de très personnel, qui fait que je suis une artiste plutôt, je dirais, mystique. Pour moi, la nature, c'est mon inspiration. Tout ce qui est l'enveloppe dans laquelle on vit, que ce soit le corps, que ce soit le lieu, c'est propice à la création pour moi. La création m'inspire énormément au niveau des saisons. Je parle des cycles de la vie. Je parle du temps, de la naissance et de la mort. Cet hiver, j'ai peint avec beaucoup, beaucoup de blanc et j'ai travaillé au niveau beaucoup, beaucoup des transparences. Et en même temps, de jouer avec les subtilités, c'est que il faut quand même garder comme en tête que l'œuvre d'art doit faire plaisir aussi à l'œil. Quand on a une intention, on s'habite de cette intention-là. On se prépare dans cette intention-là. Et on faut laisser la place aussi à l'inconnu. Parce que s'il y a juste l'intention de l'artiste, ça va pas assez loin. Parce que souvent, moi, je vais commencer à travailler, et puis Robert va passer, il va dire « Ah, ouais, c'est beau. » Il va revenir 2 heures plus tard, puis « C'est-tu le même tableau? » C'est que tout a changé. Parce que, justement, c'est passé. Il faut toujours comme affronter quelque chose d'inconnu. Il faut toujours aller au-delà de qui on est. Il faut toujours le dépasser parce qu'autrement, ça devient comme, ben, je veux pas dire plate, là, mais en même temps, il faut dépasser ça. Il faut aller plus loin. Il faut laisser la place à tout ce qui est comme l'univers qui va entrer aussi dans ce tableau-là. Mon mari m'a toujours vu peindre, mes filles avec, mais c'est qu'il y a un filon. Et le filon est toujours comme le même, mais c'est la façon d'exécuter qui est différente. Parce qu'à force de travailler, on vient aussi qu'on est pur. Et à force d'épurer, il y a juste comme l'essentiel, il y a juste comme le contenu dans le contenant, qui fait que tu le saisis, ça.